Le drapeau de l'Inde a pour symbole une roue et une croix. La croix étant au centre du cercle de la roue. Cette roue, dans quel sens va-t-elle tourner? Si elle tourne dans un sens, il y a un déséquilibre. C'est le monde des Devas, le monde des dieux, le monde des héros. Monde, que puis-je te donner? Si elle tourne dans l'autre sens, c'est le monde des Asuras, le monde des titans. Cela signifie un peu « monde, que peux-tu me donner ?» Le monde des marchands. La croix a le côté bénéfique d'immobiliser cette roue, de la rendre immobile. C'est un peu le concept de non-violence. Finalement, dans le zen, le côté non-violent existe aussi, mais la non-violence n'est pas quelque chose de laisser aller. Au contraire, c'est une maîtrise de chaque instant, de chaque seconde, de chaque dixième, centième, millième de seconde, une évocation du ressenti qui se transforme en conscience, peut-être. C'est peut-être prétentieux, hélas, mais c'est un peu la particularité de Zen, de donner à la vie sa qualité, sa démarche, sa signification, son bonheur. Le Zen peut avoir des méthodes, aussi bien des techniques de yoga, des techniques de respiration ou de techniques différentes. Par exemple, on pourrait dire que le temps existe plus expressément que l'espace. En ce sens, si on pose une caméra près d'un point d'eau, toute une journée, par exemple en Afrique, on verra qu'il y a une vie simplement par un déplacement des troupeaux différents près du plan d'eau. La même chose existe, par exemple, pour un être humain, par exemple pour un homme. Si on se pose et qu'on ne bouge pas, il y a une vie qui existe. La barbe pousse, par exemple, le cœur bat, le souffle s'exprime, les pensées existent. Il est très difficile pour un être humain de bloquer ses pensées, que l'on soit dans le monde de l'inconscient ou dans le monde du conscient, existent des pensées de l'esprit, voire de l'esprit critique, un cheminement qui nous amène peut-être vers quelque chose de différent, vers le futur. Le futur sûrement, bon, l'important, il est juste, c'est d'y aller progressivement. La difficulté de notre monde occidental, entre autres, et de presser trop et de vouloir faire des gens trop qualifiés, trop rapidement, hélas, je pèse les hélas, alors qu'on devrait le faire tranquillement. Pourquoi donner de l'engrais dans le biberon des enfants pour qu'ils se mettent à pousser rapidement, à les mettre devant des télévisions ou des méthodes pédagogiques très poussées pour en faire plutôt des savants plutôt que des gens heureux? Comme dirait Camus, à quoi servirait-il à l'homme de connaître tout l'univers s'il venait à en perdre son âme? En 2006, à Salon de Provence, à la campagne, voilà, aujourd'hui, la patrouille de France s'est tue, c'est une bonne chose. C'est la fête du travail, donc on chôme. Comme un dimanche, pourquoi pas peut-être, on regarde en arrière un petit peu
et on regarde ce qu'on a fait dans la semaine. Mais pour regarder ce qu'on a fait en arrière, il faut savoir s'arrêter. Voilà, donc un compromis entre la psychologie, le social, l'historique et l'économique pour l'ici, s'adapter dans le présent, est une façon de voir aussi le monde, une façon peut-être cataloguée comme philosophique, certes, mais une façon de voir le monde serein, plutôt heureux, plutôt en bien-être. Voilà, je vous remercie de l'écoute. Et puis, pourquoi pas avoir un peu votre sentiment ou vos avis sur les thèmes abordés lors de ce film. Pourquoi pas vous rencontrer un jour.